Le titre de la chronique aujourd'hui, c'est Il y a une première et une dernière fois à tout. N'est-ce pas? Et là, on a des images hein, quand je dis ça. Effectivement. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été notaire pendant 31 ans. J'ai encore mon titre, mais je vais probablement démissionner dans quelques temps. J'attendais justement de savoir si j'étais capable de faire des conférences sans donner de conseils. Parce que quand ça fait 31 ans que tu jases de notariat, que tu sais, c'est dans ton ADN pratiquement, ben c'est difficile de savoir. Je vais-tu être capable de parler d'autres choses, de notariat, peu importe, ou des anecdotes qui se sont passées dans ma vie, sans donner des conseils. Parce que si j'étais plus notaire, ben je peux plus donner de conseils. Donc, c'est important, sinon c'est de l'exercice illégal du droit, même si tu as fait ça pendant 31 ans. Et donc, et là, il faut que je vous ramène parce que, bon, tout ça pour dire que, bon, moi, je vais y arriver, je fais du coq à l'âne ce matin, je suis bonne là-dedans. Tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais faire ma dernière conférence de notaire. OK? Picogane, qui est une réserve autochtone sur le territoire de la ville d'Amos. Oui, parce que je suis à Amos ce matin. Ben, ils m'ont demandé, depuis un certain temps, d'aller leur parler de testament, de mandat d'inaptitude et d'aide médicale à mourir. Et j'ai accepté avec plaisir. Et ben, c'est ce matin que ça se passe. Mais ça fait longtemps que j'avais booké cette conférence-là. Et ben, avec le recul, parce que ça fait quand même depuis le mois d'août dernier que j'ai abandonné le notariat, ben je savais pas où ma vie s'en irait. Et là, ben je sais où je m'en vais. Je fais des conférences, je parle de mon parcours sans donner des conseils à un notaire parce que c'est plus ça le propos, là. Parce que, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand t'as jasé de notariat toute ta vie, puis là, tu commences une nouvelle vie, tu te dis, oh mon Dieu, de quoi je vais parler? Hein? Parce que moi, mon but, c'est de faire des conférences, mais qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que je veux partager? Mais entre autres, c'est mon parcours. Et la conférence que je fais actuellement, c'est tes bottines suivent-elles, tes babines suivent-elles tes bottines? Et j'ai mis un extrait ce matin sur ma page perso pour vous donner une idée de ce que je fais. Donc là, on comprend que j'acquiers au fur et à mesure de ma nouvelle vie un autre discours. Donc là, je vois bien que je suis capable de parler d'autres choses que de notariat. Et ce matin, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé qu'aujourd'hui, ben, c'est la dernière fois que je parlerai de testament, mandat, DMA, vraiment comme notaire, puis donner des conseils, puis ci, puis ça, parce que ça ne me tente plus. Et voilà. Et ça, cette conférence-là, elle avait été bookée durant le temps que j'étais notaire, là. Puis là, ben, il faut que je respecte mes engagements quand même. Et ça me ramène à ma première fois. Je vous raconte, à 25 ans, quand je suis revenue à Amos après mes études, j'ai été nommée présidente du mouvement de la relève d'Amos Région par inadvertance, je vais vous le dire. Parce que la réunion, ça se passait un mercredi, la réunion du conseil d'administration a formé, on était trois, dont deux qui étaient des fonctionnaires d'organismes communautaires. On dit non, nous, on ne peut pas être président, présidente. Et on dit ça va être toi. Moi, je veux. Innocemment, c'est correct. Et j'avais jamais allumé, moi, qu'il fallait que je parle devant le monde. Et ben, au fur et à mesure des conférences que j'ai données, des discours, hein, parce que fallait faire connaître ce mouvement-là. Puis aujourd'hui, il est connu, là. C'est le CAFO Jeunesse Emploi, Place aux Jeunes, etc. Mais à l'époque, tout était à faire. Et ben, il fallait montrer au monde de quoi on était capable, puis qu'est-ce qu'on voulait faire, puis blablabla. Puis, bref, moi, je vais vous le dire, là, la première fois que j'ai dû parler en public, je vais dire des gros mots, j'ai failli chier dans mes shorts, parce que moi, j'étais hyper gênée, moi, éternuer en public, là, c'était l'horreur, moi, je voulais mourir. Traverser la salle des, ça, je l'ai déjà dit, traverser la salle des cases à la polyvalente, où là, tout le monde est là avant que les cours commencent, là, ben moi, là, je voulais passer entre la peinture et le Jiproc. J'étais gênée au possible. Mais tout ça s'apprend. Tout ça s'apprivoise. Et je l'ai appris sur le tas.
Oui, parce que oui, mon premier discours, je l'avais tout écrit, puis je le lisais, puis tu sais, c'est ça. Mais au fur et à mesure que mon discours s'étoffait, que je savais de quoi je parlais, ben c'était beaucoup plus facile. Tout ça m'amène à vous dire, ben quand tu maîtrises ton discours, que tu sais ce que tu vas dire, puis tu sais, t'es pas stressé de ce que tu vas dire parce que tu maîtrises la matière, mais c'est beaucoup plus facile après ça d'apprivoiser un public. Puis je vous dirais, c'est plus intimidant avoir 5 personnes en avant de toi que d'en avoir 2000. Voilà. Alors, avec le MRA, ben j'ai tout appris. C'est là que j'ai appris, c'est ça, à maîtriser un discours, à faire des conférences de presse, à faire des entrevues radio, télé, etc. C'était mon point de départ. Et bien évidemment, j'étais nouvellement notaire aussi à l'époque. Et j'étais conseillère municipale aussi. Donc, j'étais dans beaucoup de conseils d'administration durant ces années-là. Et donc, j'ai pris de l'expérience. Ça s'acquiert d'expérience. Hein? Ça ne s'achète pas. Faut que tu te plantes un peu. Puis, bon, à un moment donné, tu finis par faire de quoi. Et ça m'amène à vous dire aussi que, bon, avec la notaire, ben, c'est sûr que j'ai fait des conférences un peu partout parce que ma spécialité dans la vie, c'était de vulgariser l'information. Et moi, mon souci, c'était que le monde comprenne. Hein? Puis d'aider les gens à apprivoiser cette bibite-là de notaire. Donc, j'ai écrit des livres aussi pour ça. J'ai fait des chroniques juridiques à la radio, à la télé. Mais quand je fais des conférences, ben, tu sais, je suis allée dans les maisons pour personnes âgées pour aller leur parler d'aide médicale à mourir quand c'est rentré en vigueur, leur expliquer c'est quoi cette affaire-là. Non, on ne veut pas vous euthanasier, c'est pas ça. Testament, mandat, achat de maison, mariage, succession, tout ça a fait l'objet de plusieurs conférences que j'ai faites. Sur demande, il y a des courtiers en assurance qui me demandaient ça pour. Ils réunissaient beaucoup de leurs clients. Puis là, je faisais le speech, puis ils me posaient plein de questions. Puis, tu sais, dans le fond, c'est d'informer le plus de monde en moins de temps possible. C'est un peu ça, les conférences. Et j'ai adoré faire ça. Et là, ben, mes conférences, ben, c'est sûr que là, je les fais partout au Québec. Je peux faire même des conférences personnalisées aussi. Puis, tu sais, dans le fond, les conférences, c'est. Là, aujourd'hui, c'est de partager mon parcours, qui n'est jamais trop tard pour changer de vie. Mais à l'époque, ben, c'était de partager mes connaissances de notaire, pour en faire bénéficier, plein de gens. Bref, voilà. Et il faut jamais renier nos premières fois. Puis si dans le fond, l'idée, c'est faut juste sauter, hein, tu sais. Faut sauter dans le vide. Moi, à l'époque, j'avais dit oui à la présence de MRA sans même savoir dans quoi je m'embarquais. Puis là, petit à petit, whoop, 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 une affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire, puis whoop, là, tu te rends compte que, ah, ben finalement, je suis à l'aise en public, puis je suis capable de faire les choses. Mais c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as à dire, c'est sûr que là, ça va boiter un peu, hein. Moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai une mémoire photographique. Donc, d'ailleurs, la dernière présentation que j'ai faite, c'était du par cœur. Mais par la suite, c'est sûr que là, j'étais timée, parce qu'on avait un 12 minutes à faire. Et j'étais timée, mais tu sais, dans mes shows, là, moi, je m'épivarde, puis là, je parenthèse, et je dis n'importe quoi, puis là, je reviens, puis etc. Puis bon, c'est ça. Fait que, bref. C'est ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, il y a des premières fois et des dernières fois. Et non, je ne suis pas triste. Au contraire, je suis même pas. Comment je pourrais dire ça? Moi, je remercie la vie dans le fond de mon parcours. Moi, je ne suis pas nostalgique dans la vie. Je trouve que c'est une perte de temps. Je sais pas, je juge pas ceux qui le sont, là, pas du tout. La nostalgie, pour moi, c'est. Regardez dans le rétroviseur, là. Pas longtemps. Parce que c'est pas en arrière que ça se passe, c'est en avant. Fait que, hein, quand on conduit une voiture, on regarde pas en arrière, on regarde en avant. Fait que moi, je regarde en avant. La nostalgie, pour moi, c'est ça, c'est une perte de temps parce que ça sert à rien. Oui, on est content du parcours qu'on a fait. T'sais, c'est ça, je suis fière. Là. Je suis fière de ce que j'ai accompli. En toute humilité, on s'entend. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de tous les gens que j'ai pu informer, puis aider, puis tout ça. Mais là, je suis ailleurs. Je suis ailleurs, puis c'est correct aussi. Tout est à faire maintenant dans ma nouvelle vie.
Voilà. Donc, pour ceux et celles qui est à l'écoute et que j'ai aidé, ben merci infiniment de m'avoir permis de le faire. Et mon Dieu, je parle quasiment comme si j'allais mourir. Non, non. Non. Hein, je suis encore là. Puis, je vais être là longtemps. Mais autrement. Hein? Je suis encore là, mais autrement. Voilà. Et la morale d'aujourd'hui, parce que j'essaie de terminer ça toujours avec une petite morale. On peut sortir la fille du notariat, mais pas le notariat de la fille. Hein? Bien évidemment, même si je ne parlerai plus de notariat dans le sens que je ne donnerai plus de conseils, mais mes choses, c'est sûr que ça va transparaître de toutes les anecdotes que j'ai vécues dans ma vie de notaire. Là. Écoute, j'en ai donné, j'ai écrit 6 livres, c'est sûr, que j'ai plein de choses à raconter, mais sans donner de conseils, parce que je dois vous dire que ça m'a pris tout ce temps-là depuis août dernier. Ben, pour savoir, parce que ça faisait tellement longtemps que je parlais de notariat que je me suis dit, mon Dieu, je vais-tu être capable? Je vais-tu être capable de ne plus donner de conseils de notaire? Mais curieusement, je suis assez capable, oui. J'ai comme mis ça en arrière, puis ça reste là en arrière, puis c'est tout. Donc voilà. Et j'ai un petit message pour Sophie Durocher de Cube Radio, parce que Sophie, que je salue, elle m'appelle souvent pour des entrevues parce qu'elle tripe sur le notariat, puis je pense qu'elle m'aime bien parce qu'elle aime mon franc-parler. Puis bon, j'ai fait une entrevue avec elle il n'y a pas si longtemps. Donc, Sophie, je vais toujours vouloir faire des entrevues avec toi parce que je peux quand même donner mon opinion sur des sujets sans donner de conseils nécessairement. Donc, Sophie, je suis toujours là. Et à vous tous et toutes, je suis encore là, je suis juste pas à la même place, je suis autrement. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que j'offre maintenant dans ma nouvelle vie, mes programmes en ligne sont encore là jusqu'à temps que je démissionne. Lorsque je démissionnerai, c'est sûr que les programmes en ligne ne seront plus sur mon site Internet. Donc, profitez-en, ils sont là encore pour quelques semaines. Et les programmes en ligne sur les testaments, les mandats d'inaptitude, l'aide médicale à mourir, les mariages et les successions, achats de maison aussi. Donc, ils sont là encore pour quelques semaines. Ensuite, ça disparaîtra. Donc, c'est des outils qui sont pas parce que c'est moi qui les ai faits, là. C'est des outils géniaux pour en apprendre plus sur tous ces processus-là, pour vous donner une idée de quoi jaser avec le notaire. Donc, ça vous aide à vous préparer avant d'aller chez le notaire. Ça ne remplace pas le notaire. Donc, mariejoséesaintlaurent.com, programme en ligne. Ensuite, j'ai des aides-mémoires et mes livres aussi dans l'onglet boutique. J'ai des cartes sourires aussi, ceux qui me connaissent. Je fais un mot drôle à tous les matins et vous pouvez avoir ces mots-là dans un écran, peu importe si vous avez une salle d'attente, si vous voulez avoir un écran numérique chez vous pour faire rire votre visite durant que vous êtes en train de mettre la table puis de brosser le roast beef. Ça peut être aussi dans un taxi pour que vos clients soient moins impatients durant le voyage. Bref, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ben, j'écris des biographies aussi parce que, oui, je suis auteur, autrice, j'aime pas ça, je trouve que ça ressemble au nom d'une maladie. Auteure, je suis éditrice et je dis biographie, mais ça peut être tout autre livre que vous voulez écrire, je vous accompagne dans ça. Je suis aussi maître de cérémonie de mariage, maître de cérémonie de funérailles et de mise en terre et maître de cérémonie tout court, animatrice, chroniqueuse. Voilà. Alors, c'est ce que je vous offre dans ma nouvelle vie. Visitez le mariejoséesaintlaurent.com pour en savoir plus. Je vous souhaite une magnifique journée tout en arc-en-ciel. À la semaine prochaine.